Bonjour YouTube, Maeva et Manava à ceux et celles qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est très, très, très spéciale. Ça fait moins d'une semaine que j'ai commencé ces vidéos pour lancer la chaîne et j'ai déjà déçu un abonné. Je vais t'expliquer en quoi et ma réponse envers Nicolas tout de suite après le générique. Alors, je vais commencer par lire le commentaire de Nicolas, histoire que vous soyez tous au courant. Nicolas me dit « Tu sembles en chier pas mal, pour au final nous en apprendre peu. » Voilà. Il me propose de manière constructive de revoir, peut-être devrais-tu revoir ta manière de faire. Ceci dit, je souligne les efforts et l'envie de bien faire. Alors tout d'abord, Nicolas, je suis vraiment, vraiment navré que tu aies généré cette frustration. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Le but n'est pas de frustrer les gens, mais de leur enseigner, de leur partager avant toute chose ce que je sais. Le but de cette chaîne, c'est de te rencontrer ainsi que tous les autres au travers d'Internet et peut-être même un jour de manière réelle et d'échanger avec toi. Tout ce que je peux t'apporter, je te l'apporterai en retour. Tout ce que tu peux m'apporter, je le prends comme ce commentaire qui est ultra constructif. Je t'en remercie énormément. Cependant, et c'est là que le bas va peut-être blesser, comme on dit, je veux pas être comme la plupart des chaînes YouTube qui existent. Ces chaînes, elles ont pour directive un peu une sorte de pédagogie magistrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme à la fac. En France, tu as deux types de cours. Tu as ce qu'on appelle les cours magistraux, qui sont simplement un orateur au milieu d'une salle qui va déclamer son savoir, qui va un petit peu vous vendre du rêve par toute cette connaissance qu'il a et vous l'imposer. Ou alors, à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les travaux dirigés, où les effectifs sont extrêmement réduits et il y a une communication, un échange entre le professeur présent et les élèves. Et bien moi, si tu veux, je considère que cette partie oratoire, elle existe déjà sur YouTube. Tu as 1001 vidéos, 1001 YouTubeurs qui vont traiter de photos, peut-être pas en français, il y en aura peut-être que 500 en français, mais il y a déjà énormément de chaînes YouTube qui traitent de la création de contenu de manière magistrale. Et moi, je n'ai pas envie de traiter pendant, du moins, cette période de challenge, de la manière magistrale. Je veux montrer l'envers du décor. Souvent, on entend les youtubeurs dire « Oui, mais on ne se rend pas compte de la charge de travail qu'il y a derrière. » La faute à qui? Vous ne nous montrez pas cette fameuse charge de travail. On ne la voit pas en vidéo. Donc forcément, on ne peut pas l'imaginer. Deuxième des choses, quand quelqu'un va venir sur cette chaîne et va se dire « Bah moi, j'ai envie de me lancer dans la création de contenu. Mais j'ai un travail à côté. » Est-ce que ça vaut le coup? Comment je dois m'y prendre? À quoi je me risque? Eh bien, en voyant ces vidéos, il va voir à quoi il se risque. Il va voir dans quoi il met les pieds. Ça, c'est l'une des possibilités. Ça peut être pire que moi. Il peut avoir encore plus de difficultés que moi. Tout comme il peut avoir beaucoup plus de facilités que moi et ne jamais rencontrer tous ces problèmes que j'ai eus. La question est-ce qu'on lui a un jour dit ce qui risquait de lui arriver d'une manière d'épreuves, de difficultés? Est-ce qu'on lui a déjà montré ces difficultés? Est-ce qu'on lui a déjà montré qu'il pourrait y avoir des soirs où il veillerait, où il ne dormirait pas, il ferait une nuit blanche, se repointerait au travail le lendemain pour finir le travail et revenir sur ses chaînes, sur la création de contenu pour sa chaîne, et puis il dormirait 2 heures et il reprendrait? Et est-ce que on vous a, à vous, un jour dit ça? Moi, sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais j'ai juste entendu l'envers du décor. Donc c'est important pour moi, pendant cette période de challenge, de garder ce côté un petit peu spontané, ce côté un petit peu réaliste de tout ça. Et je ne veux pas le retirer. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi.
Il y a un moment donné où on se dit, bon, c'est bien beau, tu nous montres ça encore et encore et encore, mais on n'a rien d'autre. Et c'est pour ça que les week-ends, le samedi, il y a cette fameuse journée rétrospective que j'avais en tête, et tu as été juste l'ouverture vers ce contenu-là. Donc les samedis, je ferai des rétrospectives sur ce qui a été dans la semaine, sur un petit peu vos retours que j'ai pas pu reprendre dans les autres vidéos. Et je reviendrai dessus pour réagir, pour trouver des solutions par rapport à toutes ces problématiques qui se créent, par rapport à toutes ces propositions d'évolution. Par exemple, ouais, tu devrais faire ça, ça serait cool. Ben, je vais revenir dans le samedi et je vais dire, ok, on va essayer ça pour cette semaine. On va voir ce que ça donne. Le dimanche, ça sera un hors-sujet aussi par rapport au reste de la semaine, puisque le dimanche, c'est le jour où, ayant plus de disponibilité et mes collègues ayant plus de disponibilité, c'est le jour où je peux vous préparer des partenariats, des vidéos en collaboration avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. Du coup, ben, dimanche, ça sera plus ou moins réservé à ça, du moment où j'arrive à trouver un thème et un créateur ou une créatrice avec qui ça match et on peut vous donner un contenu qui soit cool. Pour terminer, je voulais revenir sur un commentaire qui avait été posté par Mélanie, elle voulait en savoir plus sur le minimalisme. Comme je vous ai dit juste avant, plutôt que de vous donner un cours magistral sur le minimalisme, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, je vais plus vous donner parfois des petites astuces. Il va falloir lire entre les lignes dans les vidéos. C'est de se dire, ah ben ouais, souviens-toi, il avait utilisé sa GoPro et le lendemain, vu qu'il avait oublié, ben pas de GoPro, du coup, il n'a pas pu faire son plan. Le moment où tu vas utiliser ta GoPro, tu vas te souvenir de cette merde qui m'est arrivée à moi et tu vas dire, mais moi, jamais ça m'arrivera, tu vois. Si jamais ça t'arrive, tu te diras, putain, je suis con. Je l'avais vu en plus en vidéo, Kevin, se prendre la tête sur ça. Et j'ai refait la même erreur. Une fois, mais pas deux. Ceci est un sac. Donc jusque-là, normalement, on a tous ça chez nous, un sac. Tu peux prendre un sac de course, tu peux prendre n'importe quel sac, il te faut juste un sac qui soit dédié à cette utilité-là. Un sac de manière générale un peu grande, hein. Ça peut être plus pratique qu'autre chose. Au début, tu peux en prendre un petit, mais tu verras très vite que parfois, il y a des choses volumineuses à mettre à l'intérieur. Ce sac, je vais lui donner un nom, puisque j'ai inventé ce système. J'appellerai ça le sac de l'indécision, le sac de la procrastination. Souvent, on va se dire sur des objets, qui vont avoir une utilité un jour. Souvent, on va charger des objets de souvenirs, de se dire, ah bah cette tasse, elle m'a été offerte, donc je ne peux pas m'en séparer. C'est un cadeau. Cette boîte, oui, un jour, j'ai pas deux boîtes comme ça, et un jour, j'aurai besoin d'une boîte avec ses caractéristiques toutes précises, et là, je l'ai, donc je vais la garder, on sait jamais. Quand je te dis l'indécision, c'est de se dire, est-ce que j'en aurais vraiment besoin? À partir du moment où on se pose la question, il suffit de le mettre dans ce sac. Mais avant, il faut lui donner une date de péremption. Donc tu prends ton objet, tu mets par exemple que dans 6 mois, il est périmé, je le mets dans mon sac. À partir du moment où je me suis servi de l'objet, donc j'ai dû le récupérer dans le sac, j'enlève la date, je l'utilise. Si j'ai encore un doute, je remets une nouvelle date et je le remets dans le sac. Chaque fin de mois, chaque fin de semaine, chaque jour, ça dépend des gens. Vous pourrez venir regarder dans le sac et dire, ok, la date, celle-ci est bonne, celle-ci est bonne, celle-ci est bonne, celle-ci est bonne. Ah, celle-ci est dépassée. Bah, si elle est dépassée, c'est que j'en ai pas besoin. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, demain, 18h, avec l'invité surprise, Maururu, d'avoir regardé cette vidéo. Nana! Ah oui, bah, du coup pour la vignette de cette vidéo, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Hop.